suis très heureuse d'exposer avec deux jeunes artistes d'un grand talent. Et je suis très honorée aussi d'exposer dans un lieu qui raconte, la Galerie Nadar, qui raconte une histoire artistique très riche. Et après 10 ans de travail d'artiste professionnel, je suis arrivée à un stade où je travaille avec une palette de couleurs que j'aime moi, avec des matériaux que j'adore, et de travailler sur des sujets qui m'intéressent. Ce que je fais est vraiment très personnel. Et je peux dire que je fais de l'art-thérapie. C'est une expo qui unifie 3 artistes, 3 différents styles, 3 villes. Qassem Belhou de la ville de Salé, Nargis d'Assela et Abdelaziz Ossareh d'Agadir. C'est 3 écoles, soi-disant 3 jeunes, qui viennent avec un dynamisme et une force plastique qui est très 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 forte. On a essayé de les représenter à Casablanca pour montrer au public casablancais qu'il y a aussi une force picturale qui est très très distinguée dans la main de ces jeunes-là. بالنسبة للعمل ديالي فكما كتشوفوا يعني كينتمي للمدرسة التجريد ديال الغنائية لابستراكسيون ليريك وكنحاول يعني نخدم على لا بروبليماتيك ديال المادة واللون والآثار يعني في المساحة اللي كنشتغل عليها يعني كنلاحظوا باللي ان في الاعمال كاين يعني في واحد الغالبيه ديال اللون الابيض يعني ما يسمى بفلسفه البياض هنا كنحاول ما امكن باللي نلعب على درجات مختلفه ديال البياض واخا كنشوفوا البياض ولكن في درجات مختلفه ما كاينش بياض واحد وكذلك يعني كيفاش ندمج مثلا مجموعه ديال المواد مجموعه من الخامات زيادة على الألوان اللي كيخليوني نعطي مجموعة من المضامين التشكيلية من هالخط من هاللون والمادة